Vicky, hey Vicky, hey. Des Vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, pille la toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, vit la lutte de voile, Vicky. Vous vous souvenez tous de notre dernier épisode. Après avoir essuyé une violente tempête, Vicky et ses compagnons se sont échoués sur les rives d'un pays très prospère dont ils ont attaqué la ville principale, empire d'un riche souverain. Hélas, les Vikings sont tombés dans un piège. Ils ont tous été faits prisonniers. Nous allons les retrouver dans la prison, alors que la situation est désespérée. En effet, le souverain leur propose un marché. Ils ne sortiront du cachot que sous une condition, devenir des esclaves. Quoi qu'ils fassent, ils perdront leur liberté. Et pour un Viking, c'est une chose inacceptable. Comment se tireront-ils de ce mauvais pas? Essaye au lieu de rester assis. Bon, comme tu voudras, chef. Je n'y arriverai jamais. Non, j'abandonne. Je t'ordonne d'enfoncer cette porte. Je n'y arriverai jamais. Allons, Fax, est-ce que ça te plairait de vivre en esclave jusqu'à la fin de tes jours? Non, pas du tout. Alors fais quelque chose. Il est quelquefois bon de ne rien faire. Comment? Les dieux décident à l'impossible, nul n'est tenu. Qu'est-ce que tu racontes, vieil homme? C'est facile de dire ça quand on est un vieillard, mais moi je refuse de devenir un jeune esclave. Puisque tu es si malin, tu devrais trouver une solution, non? Avant de trouver une solution, il faut la chercher. Avec lui, ça risque de durer longtemps. Alors, vous vous plaisez dans votre nouvelle demeure? Jamais nous n'accepterons de devenir tes esclaves, jamais. Jamais ils n'accepteront d'être esclaves. Ils vont vite changer d'idée. Le plafond est hérissé de grosses pointes. Et le plafond descend sur nous. Oh. Vous avez la journée pour vous décider, sinon vous serez tous réduits en bouillie. Quoi qu'il oserait? Je suis sûr qu'il oserait. C'était risqué de s'attaquer à cette ville. Moi, je peux te dire une chose. Personne ne te regrettera si tu es réduit en bouillie. Répète un peu, triple idiot. Je le répète. Vous feriez mieux de canaliser vos forces au lieu de vous battre. Mais oui. Oui. Oui, ça y est. J'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Ben, la solution. Oh là, garde! Oui, qu'est-ce que tu veux, petit? Je voudrais voir ton chef, dis-lui de venir. Qu'est-ce que tu lui veux? Lui offrir un cadeau avant d'être son esclave. Lui offrir un cadeau? Bon, je vais le prévenir.
Tu es fou, Vicky! J'ai toujours dit qu'il était idiot d'amener cet enfant. Un cadeau à ce forban, ça m'étonne de toi, Vicky! Ne crains rien, papa, laisse-moi faire. Une telle conduite est indigne d'un viking. L'honneur nous interdit de faire des cadeaux à l'ennemi. Je te demande juste de me faire confiance. Tu n'es plus mon fils. Oh. 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 Alors, petit, que comptes-tu m'offrir en cadeau? Un bateau, celui avec lequel nous sommes venus. Qu'avais-tu que je fasse d'un petit bateau? Il s'agit sûrement d'un grand bateau, puisqu'ils étaient tous dessus. Ça pourrait nous être utile. Et où est ce bateau? De l'autre côté de la forêt. C'est vague, comment le trouverons-nous? Je peux vous y conduire, si vous le désirez. Entendu, cet enfant va nous conduire au bateau. Mais si tu essayes de t'échapper, tu t'en repentiras. Ce sera vite fait. Oh! Tu as compris? Oui, j'ai compris. Oh! Oh! Une grosse bête, c'est un écureuil. Tu es sûr que c'est un écureuil? Je l'ai pris pour un loup. Je croyais que les vikings n'avaient peur de rien. Fini de rire, montre-nous le chemin. Oh, j'y suis, c'est par là. Il doit y avoir des trésors au fond de ce bateau? Non, il n'y a pas de trésors à bord. Par contre, il y a des poissons. Il a raison, c'est plein de poissons. Je comprends pourquoi cet enfant nous a dit de prendre des seaux. Tu vas nous aider à les ramasser. Non, ramassez-les. Moi, je m'occupe d'en faire venir plein d'autres. Ah. Regardez bien. C'est pas juste, je vais être réduit en bouillie le premier. C'est tout ça parce que je suis plus grand. Non, c'est pas juste. Je me demande ce qui est arrivé à Vicky. Si les dieux le veulent, il réussira à leur glisser entre les doigts. Oh, s'il réussit à s'échapper, il ne s'occupera plus de nous tous. Non, je connais ce garçon, il ne nous abandonnera pas notre sort. Hé, hey, compagnon, Vicky est revenu, vous entendez, il est revenu. Hein, qu'est-ce que tu dis? Tu es complètement idiot, mon garçon. Notre chef t'a proposé de te rendre ta liberté, mais tu as refusé. Oui, j'ai refusé, parce que je suis un vrai viking. Et un viking n'abandonne jamais les siens. Il est fou, ce petit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je savais qu'il n'arriverait pas à s'échapper. Mais qui t'a dit que je voulais m'échapper? Quoi? Je les ai conduits jusqu'à notre bateau. Comment tu as osé? Ah là là, c'est la fin de tout! Mais qu'allons-nous devenir? Je vous ai dit de ne pas l'emmener! Le principal, c'est que nous arrivions tous à nous échapper, non? Et je vous promets que nous y arriverons. En attendant, il vaut mieux dormir. Dormir et nous réveiller en bouillie? Mon plan ne peut se réaliser que dans l'obscurité. Dormons en attendant la nuit. J'ai gentil de m'offrir ce collier de fleurs. Nous avons oublié de nous réveiller. Papa, papa, vite, réveille-toi! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vite, vite, il faut réveiller les compagnons. Les pointes sont descendues pendant notre sommeil. Oh, juste ciel! Debout là-dedans! Ah,
je vous dis que c'est pas juste. C'est pas de ma faute si j'ai un gros ventre. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Personnellement, je trouve cette prison inconfortable et je pense que l'heure est venue de nous évader. Hein? Nous évader? On n'y arrivera jamais. Chut! J'ai tout prévu. Ce poisson va nous être utile. Hein? Un poisson? Je l'ai ramassé sur le bateau. Ce poisson, c'est la liberté. Hein? Je n'ai jamais entendu parler de cette espèce-là. Il s'agit d'un poisson-ci, comme vous le voyez. Et en prison, une scie, c'est la liberté. Hein? Les gardes sont endormis. Profitons-en. Et maintenant, Duré fait semblant de grincer des dents. Grincer des dents, moi? Si ça t'amuse. Exactement ce que je voulais. Bon. Tout se passe comme prévu. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Eh bien, moi, je commence à comprendre. Comment as-tu pensé à cela, Vicky? Tu es magicien? Il n'y a rien de magique. Quand j'ai vu ce poisson sur le bateau, j'ai eu une idée. Ma parole, il s'est endormi. Hein? Tu sais ce qui t'arriverait si le chef te voyait en train de dormir? Je ne dormais pas, je me reposais. Je ne peux pas les voir puisque le plafond touche presque le sol. Hein? Il y en a un qui grince des dents. Ça m'arrivait quand j'étais petit. Maintenant, tu te contentes de ronfler en dormant. Allez, viens. Ils sont tranquilles. Quand je pense qu'ils dorment tranquillement pendant que nous devons travailler. Moi, un coup, ça te réveillera. Oh, ils se mettent à boire. Il finira par ne plus avoir de dents. Et... C'est leur dernière nuit sur Terre. Je vais faire un trou suffisamment gros pour que nous puissions passer le bras et soulever la barre de bois. Excellente idée. Ne perds pas de temps, mon garçon. Mais que ferons-nous des deux gardes après cela? Nous les assommerons. Nous prendrons la fuite. Non, le bruit risque d'ameuter tous les autres soldats. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous allons les empêcher de crier, voilà tout. Et comment ferons-nous? Ce garçon dit vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Pas du tout, il suffit de les bâillonner. Les bâillonner? Je me demande comment. Tu as bien deux tuniques sur toi, n'est-ce pas, Fax? Hein? Un viking doit toujours être libre de ses mouvements pour combattre, et il ne porte jamais deux tuniques à la fois. À quoi ça servirait, d'ailleurs? Il n'est pas emmailloté comme un bébé. Un vrai viking ne porte pas de sous-vêtements. Le cas de Fax est particulier. Il a des gros ennuis d'estomac. T'es assez fragile, hein, Fax? Non, m'en parle pas. Je suis désolée d'en avoir parlé, mais c'est pour le bien des compagnons. Oh, oh là là, que je souffre. Oh, mon estomac. J'ai entendu quelqu'un parler, pas toi? Non, tu dois avoir trop bu. Tu ne t'es pas regardé? Je vais bientôt avoir fini, un peu de patience. Parfait, faut arroser ça. J'allais justement le dire. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Sors de là! C'est pas de sa faute s'il est gros, il nous l'a bien assez dit. Thank you.
fallait pas emmener cet enfant. Ne t'es pas fait mal, Vicky? Non, ça va. Oh! Chut! Je n'ai pas vu la marche. Il faudrait récupérer nos armes, mais où peuvent-elles bien être? Elles sont sûrement dans cette petite tour. Comment peux-tu savoir, Vicky? Ils ont mis deux gardes à la porte. C'est sûrement pour garder quelque chose de précieux. Excellente déduction, mon garçon. Compagnon, l'heure est venue de récupérer ce qui est à nous. Nous avons fait trop de bruit. Les autres gardes ne vont pas tarder à venir. Tu crois? Les Vikings se sont évadés! Les Vikings se sont évadés! Ils ont fait un trou dans la porte? Oui, votre majesté, un beau trou tout rond. Mais comment sont-ils parvenus à percer une porte aussi épaisse sans avoir d'outils? On verra plus tard, il faut les rattraper, ou tu t'en repentiras. Allez, allez, dépêchons, pas de traînard! J'en connais qui ont du mal à courir! Ils nous attendent peut-être sur le bateau! Aucune importance, les Vikings ne sont chez eux que sur un bateau, alors allons-y! S'il faut mourir, nous préférons quitter cette terre en mer! Le bateau a été remis en état! Comment ça se fait? Ils ont fait exactement ce que j'avais prévu. Je leur ai conseillé d'effectuer les réparations s'ils voulaient s'en servir un jour ou l'autre. Excellente idée, mon garçon! Et maintenant, nous allons prendre notre bateau à l'abordage! Ouais! Oh, papa! Vous êtes prêts? Inutile d'insister, vous feriez mieux de vous rendre. Personne ne pourra s'échapper. Tu ferais mieux de te taire. Nous allons te montrer la force et le courage du peuple viking. Si vous tenez tant à être exterminé, cela vous regarde. Je ne ferai pas de quartier. Comment ça m'énerve, celui-là? Si tu fais un seul geste, mes archers vont te tirer une flèche en plein cœur. Bon, bon, d'accord, n'en parlons plus. Cela, je vous donne l'exemple. Vous êtes décidé à vous rendre? Un viking ne se rend jamais. Tirez! La prochaine fois, mes archers tireront plus près. Non, non, je vous en prie. Attendez avant de donner l'ordre de tirer à vos archers. Pourquoi? Tu as quelque chose à me dire? Oui, monseigneur. Ne voudriez-vous pas savoir comment nous avons réussi à découper la porte de la prison? Si. Eh bien, vous pourrez jamais le savoir si vous nous faites transpercer par vos archers. Mais dans le fond, tu as raison. Et comment avez-vous réussi à percer la porte? Je voudrais bien vous le dire, mais j'ai peur de voir tous ces arcs pointés dans ma direction. Bon, très bien. Abaissez vos armes et restez vigilants. Voilà qui est fait. À présent, dis-moi comment vous avez réussi à vous évader. Grâce à ça, nous avons scié la porte à l'aide de ce poisson-là. Non, sache que je n'aime pas les plaisanteries de ce genre. Je vais t'apprendre à te moquer de moi, petit garnement. Mais ne vous mettez pas en colère. Je vais scier un arbre à l'aide de ce poisson. Ah oui, vraiment? Écoute-moi, si tu y arrives, je t'accorderai tout ce que tu voudras. Par contre, si tu n'y arrives pas... Je vous promets d'être votre plus fidèle esclave et de vous servir loyalement jusqu'à la fin de mes jours, monseigneur. Il faut dire qu'à cette époque, on se servait de haches pour couper les arbres parce que la scie était inconnue. Il était donc normal que le souverain et ses sujets ne comprennent rien quand Vicky parlait de scier un arbre. Notre jeune ami se mit au travail. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment magnifique. Ce jeune garçon a réussi à couper un arbre avec un poisson, ça alors. Emparez-vous de ce poisson, vous m'entendez? Emparez-vous de ce poisson! C'est pas juste, vous m'aviez promis de m'accorder... Je ne t'ai rien promis du tout, j'avais ce poisson, c'est tout. Vous n'avez pas de parole! Non, non, Vicky, tu vas directement vers le précipice. Ah 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 ah
Suivez-moi, compagnon, volons au secours de Vicky. Tu n'iras pas loin, petit garnement. Donne-moi ce poisson. Tu es pris, tu ferais mieux de te rendre tout de suite. Ce sera ce poisson contre notre liberté. Si vous refusez, je me jette à l'eau avec le poisson. Non, non, ne fais pas ça, je t'en conjure. Alors promettez-moi de nous rendre la liberté. Je suis obligé d'accepter tes conditions. Vous savez que ce poisson coûte cher? Quel prix en demandes-tu? Nous en voulons au moins 10 pièces d'or. Hein? Pour 10 pièces d'or, il n'aura que la queue. Très bien, voici ce que je t'offre. Je te donne 10 pièces d'or, 100 écuelles et 50 colliers. Votre nom passera à la postérité. Vous serez le souverain qui a introduit la scie dans son pays. J'en serai honoré. Et pour te prouver ma reconnaissance, j'ajouterai 100 coupons de soie aux tribus. Bien. Pendant que vous y êtes, ajoutez 5 cochons et vous aurez tout le poisson pour vous. C'est entendu. Nous avons donc dit 10 pièces d'or, 100 écuelles, 50 colliers, 100 coupons de soie et 5 cochons. N'importe quoi pour avoir ce poisson magique. Tu as été le plus fort, je le reconnais. Si tu as l'occasion de repasser par ici, n'hésite pas à venir me voir, Vicky. Je reviendrai, Majesté, et merci encore. Et maintenant, compagnons, larguez les voiles. Au revoir. Je ne peux qu'admirer ta bravoure, Vicky. Tu aurais vraiment osé sauter de cette falaise qui dominait la mer d'une telle hauteur? Hein? C'est vraiment si haut que ça? Oh! Oh, mais oui, c'était vraiment aussi haut que ça! Oh! Oh! Est-ce que j'ai pu être brave? Vicky! Hé, hey, Vicky! Hein? Ha,